simple piqûre sur le doigt à l'aide d'un stylo seringue et le résultat est disponible en 3 minutes. La camionnette se déplaçait cette semaine sur 3 villes essonniennes, hier à Vigneux, aujourd'hui à Ris-Orangis et en fin de semaine, ce sera à Évry, place de l'Agora. Ces déplacements, eh bien, ils permettent de toucher davantage de gens et d'aller directement à leur contact pour une meilleure prévention. Ce dépistage est non médicalisé, c'est-à-dire que nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas infirmiers, mais nous sommes formés pour proposer le dépistage rapide. Donc nous ne posons pas de diagnostic, on donne un résultat aux personnes. Et si le résultat s'avère positif à ce moment-là, on oriente la personne vers un test de confirmation. Donc ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans un centre de dépistage anonyme et gratuit pour faire un test de contrôle et voir si réellement le résultat est celui-là. Après, si c'est confirmé, la personne peut entrer dans un processus de prise en charge médicale.